Bah, au CERL, je suis venu proposer, expliquer, développer cette nouvelle marque de chocolat qui est Millésime Chocolat. On a en plus fêté notre premier anniversaire il y a quelques jours. Donc voilà, notre premier salon international et les premiers contrats qui se dessinent. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Non, parce que je pense qu'au point de vue de l'aide financière, c'est très important pour une jeune entreprise comme nous de pouvoir bénéficier des tarifs et de l'aide que propose la WEX, surtout que bon, comme on est en plein développement, au point de vue de technique, au point de vue du personnel, ben, y a énormément de frais qui s'accumulent au début de notre lancement et on est vraiment en plein boom. On a une demande assez forte et donc cette aide pour participer à de nombreux salons tels que la propose la WEX est très très intéressante pour nous. Alors oui, du concret, parce que on a vu déjà notre distributeur japonais par exemple qui a fait le déplacement, qu'on a pu rencontrer et discuter plus largement des collaborations futures. Et puis effectivement, nous on est dans la recherche de distributeurs concrets. Et là on a des distributeurs, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans les pays nordiques ou en Espagne par exemple, qui se sont en effet manifestés déjà les premiers jours du salon. Voilà, beaucoup de. Je dirais que nous proposons un chocolat très haut de gamme, un chocolat assez exceptionnel, puisqu'au point de vue européen, nous sommes les seuls à faire du chocolat millésimé. Donc, on vise une clientèle haut de gamme, une clientèle de luxe. Et effectivement, on voit des distributeurs qui sont actifs dans le luxe ou dans certains milieux urbains aisés qui nous contactent. Et donc, là, effectivement, on a eu un très bon contact également avec le Maroc et un distributeur à Marrakech pour la population qui vient séjourner, la population haut de gamme qui vient séjourner à Marrakech. Alors forcément, on est déjà en pleine mutation puisqu'on a commencé à 3 il y a un an, nous sommes à 7 actuellement. Donc les machines maintenant ont atteint leur rythme maximal de production. Donc nous sommes aujourd'hui dans la phase où on prépare déjà notre déménagement, le personnel va être augmenté et tout ce qui est également machines techniques vont se développer. Donc même avant le CIAL, on était dans cette phase de développement très important pour vraisemblablement quadrupler notre production actuelle. Je resterai à Wallonie et je resterai surtout à Liège-Centre.